Alors, bonsoir. Enfin, bonjour, bonsoir. On s'en fout, on est sur Internet. Je vais faire juste cette petite vidéo qui sera très courte pour expliquer comment on fait pour prendre des shorts et des positions à la baisse. Parce que visiblement, il y a des gens qui ne comprennent pas. En fait, c'est très simple. Une prise de position à la baisse, ça se fait pas sur Binance ou ça se fait pas sur les exchanges, mais les plateformes de trading comme Bifinex, Kraken. Poloniex en propose, BitMEX évidemment, qui est un très très bien. Alors là, c'est pour prendre des contrats à terme avec des swaps perpétuels. Bon, je vais pas vous embrouiller avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, un contrat à terme ça dure, allez, imaginons, ça, il peut faire 3 jours, 6 jours, 3 mois, ça dépend le type de contrat que vous avez évidemment. Alors ça, c'est en bourse. Sur BitMEX, ça dure, voilà, ça dure le temps que vous voulez, c'est un swap perpétuel. Bon, bref. Donc, les leviers. Eh bien, en fait, un levier, c'est très simple. Déjà, ça permet de prendre du levier à la baisse. Donc, par exemple, on va avoir un levier 1 pour 1. C'est-à-dire que, imaginons, vous tradez avec 1000 euros. Ça fait que vous ne prenez pas réellement de levier, mais ça va vous permettre de prendre une position à la baisse. D'accord? Et donc, vous allez gagner les pourcentages de descente. Donc, là, si on était sur les 10 000, ça fait que pour l'instant, on est en gain de. Alors, hop, ça fait 20%, d'accord? Attends, non, je l'ai pas. Voilà. Désolé. Alors, ça fait un gain de. De 13%, un peu plus d'ailleurs, je pense. Allez, on est à 15% de gain. Et donc, en posant ma position ici, je mets un stop au-dessus. Et là, tranquillement, comme j'ai dit sur l'autre vidéo, après j'ai des TP, des take price, comme je le montre sur l'autre vidéo. Là, c'est ma plateforme de trading. En fait, je fais pas vraiment d'analyse technique dessus. Je mets juste 2-3 trucs pour me repérer et puis des indicateurs. Et donc, ça me permet de pouvoir prendre des shorts, des positions à la baisse, tout simplement. Et. Quand vous prenez un levier, vous pouvez, alors sur Kraken, on peut choisir jusqu'à un levier de 5. Donc si vous avez par exemple 1000 euros, un levier de 2, ça va vous faire trader avec 2000 euros, un levier de 3, 3000 euros. Et ensuite, évidemment, cet argent-là, la plateforme, en fait, c'est la plateforme qui vous le prête, et ensuite, elle le récupère. Et vous gardez les bénéfices. D'accord? Alors évidemment, il y a un prix à payer, comme ça, un prêt, hein, finalement, qui est très léger, hein, en fait. Qui est je sais plus combien de pourcents sur Bifinex, mais c'est très très peu. Donc quand vous ouvrez votre position, même si vous êtes en gain, vous allez être un petit peu en négatif, parce qu'on rembourse d'abord le coût de la position au début, et puis ensuite voilà, après on prend les gains, tout simplement. Alors évidemment, le problème c'est que dans ce truc-là, si vous gagnez, tout va bien, vous gagnez 3 fois votre position, 3,3 fois votre position. Mais si vous imaginons que le marché va dans l'autre sens, vous allez perdre 3 fois 3 de pourcentage de votre position. D'accord? Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un levier, j'espère que vous avez compris. Donc voilà. Allez, ciao les amis, passez une bonne soirée.